vous regardez RTL. Ne me parlez pas de Jean-Phi. Hein. Alors là, ne me parlez pas de ce couillon là-bas. Alors là. Non mais vous avez vu ma tête? Oui. Vous êtes aux couleurs d'RTL. Ouais. Jean-Phi Janssen. Vous êtes vachement influençable. Hein. Jean-Phi Janssen m'a dit hier, parce que je dois partir en petit week-end prolongé. Jean-Phi Janssen. Vous allez où? Ça ne vous regarde pas, vous là-bas. Si, ça me regarde. Jean-Phi Janssen m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu ailles faire une petite séance d'UV. Moi, jamais j'avais fait ça. Non, mais il me donne une adresse à la con. Je vais faire une séance. Je me retrouve pendant 20 minutes dans un grippin, hein, autant dire. Oui, et regardez la gueule que j'ai aujourd'hui. Je suis rouge. Crevisse. Mais non, c'est que vous n'avez peut-être pas respecté toutes mes consignes beauté que je vous ai données, les petites astuces. Vous allez mettre un petit peu de crème, rester une 15-20 minutes, quelle ça prépare la peau soleil. Faut pas surtout mettre de crème, le type m'a jamais dit de mettre mais de crème. Si, mais surtout pas au micro-ondes. Surtout pas au micro-ondes. Mais vous verrez que demain vous me remercierez parce que le teint va se aller. Se faire. Avec, faut mettre un petit peu de biafine et demain vous serez parfait pour. Laurent, de toute façon, c'est sympa d'être une écrevisse. Même non. Mort, on lui suce la queue. Mais au moins, il n'y arrive pas. Non, mais écoutez, franchement. Laurent, et le pire, c'est que j'ai du mal à m'asseoir parce que j'ai. Le cul, je suis pas responsable. Ça, c'est le deuxième conseil que vous avez donné. J'ai les fesses, mais rouges, comme c'est pas permis. Pourquoi les fesses? Qu'est-ce que j'avais donné comme conseil pour le derrière? Vous voulez que je vous montre, je jure, c'est vrai. C'est le deuxième conseil, il ne fallait pas l'écouter, Laurent. C'est rouge, regardez. Bah oui, crevette. Non, mais vraiment, c'est pas normal. Ça veut dire que vous faites de l'intégrale. Pardon? Vous faites de l'intégrale. Non, j'avais gardé mon caleçon, mais je l'avais roulé, vous voyez. Ça devient gênant, votre truc, là. Vous appelez Géronimo. Pourquoi? Bah peau rouge. Jamais vous n'avez fait ça, vous, des UV, c'est moule? Ah non, moi j'ai mon jardin, donc ça va. Hein. Votre jardin? Et puis j'écoute pas les conseils de crétins comme ça, quoi, c'est pas possible. Oui. Et tu vas pas t'asseoir sur les cours. Arrêtez de l'alarmer inutilement, vous verrez que demain il me remerciera. Et c'est des conseils beauté qui sont mesurés, que j'ai donné à beaucoup. Moi je vais vous dire, le UV c'est pas possible, j'aime pas personnellement parce qu'on devient orange. Oui. Ah bah merde, tu sais la couleur. J'espère que je vais pas passer au vert dans 3 jours. C'est quand on voit les gens qui sont bronzés à UV, ça se voit de loin. Le côté orangé comme ça, oui. On est autant rester blanc et c'est bronzé naturellement au soleil. Parce que le naturel, c'est mieux que le orange. Ouais, Moi, je ne suivrai pas. Je ne suivrai pas les conseils de. Moi non plus, mais qui? Attends, les conseils beauté de Jean-Phi Janssen. Vous voulez que je vous donne des conseils régime? Voilà. Et moi, je peux vous donner des conseils coiffure, si vous voulez. Conseils beauté, coiffure et mode, c'est... Ça lui va très, très bien. Avec maman ici. Non, mais vous me garantissez que ça va se calmer. À 100% que je vous le garantis. Hein, oui, le visage, oui. Les fesses, non. Non, mais enfin, écoutez, non, je trouve ça pas normal quand même qu'on ressorte comme ça. Je vous jure que mais j'ai mal. Mais non, mais c'est pas j'ai bon. Mal partout, j'ai brûlé, monsieur. Ça dure que 5 ans, Laurent. Pourquoi les fesses? Qu'est-ce que vous êtes allé vous foutre à poil dans ce parce truc-là? Parce qu'il aime ça. Parce qu'on visage. Va pas habiller dans ce genre de truc, on se déshabille, monsieur. Mais c'est pourquoi vous êtes tourné? On monte pas ses fesses. Mais on se tourne pas, il y a des UV des deux côtés, enfin voyons, en haut et en bas. Quand j'y vais, je me tourne pas, de toute façon, je suis coincé sous le truc, alors. Ça s'appelle une rôtisserie. Tu deviens le poulet rôti. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé dans un appareil à croque-monsieur, Laurent? Non, mais franchement, je ne jure jamais plus de ma vie. Écoutez, il a fallu que j'attende 45 ans pour... Non mais sérieusement, Laurent, est-ce qu'on vous a demandé de mettre une tranche de jambon, une tranche de fromage? Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été conseillé par un cornichon.